Dear participants, guests of the next session. Chers participants, invités de la session suivante concernant le sommet international sur la diaspora, nous voici dans la session 5, l'impact de la diaspora, climat, ESG et investissement. Donc, c'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette session pour que chacun puisse participer aujourd'hui du monde entier. Nous avons donc préparé un contenu intéressant à partager avec vous. Et nous avons partagé aussi, donner la parole à des orateurs très intéressants. À mesure que le monde s'éloigne, je l'espère, pendant quelque temps, de la pandémie de COVID-19, la question se pose. Nous nous éloignons de cela, mais vers où ? Vous avez vu le document de fond de cette session dans lequel nous voulons poser les bases de la discussion d'aujourd'hui, à savoir l'avenir. Comment pouvons-nous aller vers un futur plus positif et comment pouvons-nous faire ça conjointement avec la communauté de la diaspora qui est un partenaire important pour faire face à ce contexte assez perturbé, mais plein d'opportunités. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la diaspora et comment nous pouvons faire en sorte que l'on développe des stratégies d'engagement avec les communautés de la diaspora. Alors que le rôle de la diaspora au niveau du climat, de la gouvernance sociale est un stade embryonnaire, je pense qu'il est quand même important de parler de son rôle, notamment dans des secteurs qui, jusqu'à présent, sont plus connus, secteur industriel, financier, ou au niveau de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, nous pensons que l'impact des diasporas, en ce sens, pourra être important. On voit que différents secteurs et pays essayent d'attirer l'attention de la diaspora. Il est important de voir aussi comment on va réaliser les investissements pour avoir certes une valeur financière, mais aussi garantir que les sociétés bénéficient de cet investissement et qu'il n'y a pas d'influence négative sur l'environnement. C'est une question essentielle qui aujourd'hui prévaut au niveau de l'agenda après cette pandémie. Donc, il est important d'investir dans des systèmes sociaux, mais aussi d'une manière qui n'aura pas d'impact négatif sur l'environnement, qui va donc générer de l'emploi vert. Donc, la session d'aujourd'hui reprend plusieurs questions. La première, quels seront les incitants que les gouvernements peuvent développer pour encourager la diaspora en tant que partenaire au niveau du commerce et des investissements. Ensuite, quelles organisations doivent être impliquées pour promouvoir ce travail et pour développer les opportunités, notamment au niveau du changement climatique, d'investissement, de la responsabilité sociale des entreprises. Quel pourrait être le rôle des générations à venir, par exemple? Donc, voilà des questions importantes. Nous ne disposons pas de beaucoup de temps, mais néanmoins, nous avons des panélistes qui sont très expérimentés. Et j'ai également le plaisir de présenter le gouvernement de Fidji, donc, qui est co-hôte aujourd'hui, qui est avec nous donc, pour lancer le débat. Au-delà de notre collègue Amelia Komaisava, qui est la directrice de l'immigration des Fidji, donc co-hôte de la session d'aujourd'hui, nous allons aussi entendre une autre partie prenante importante de la diaspora, Frida Ontarandi, qui est qui parlera avant une vidéo partagée par les Fidji, puis nous rentrerons dans une conversation interactive. Donc, sans plus tarder, je voudrais vous présenter, enfin donner la parole à Amelia et ensuite, on écoute votre expérience et ensuite vous allez nous en dire plus sur ce que vous voyez comme rôle pour la diaspora dans le cadre de ce sommet. Merci.
Le micro est éteint. Bonjour à tous depuis la République de Fidji. Pour commencer la conversation d'aujourd'hui, donc l'impact de la diaspora, changement climatique, gouvernance économique, sociale, investissement. Nous pensons que cette sommet est une opportunité pour montrer comment nous pouvons contribuer à l'engagement de la diaspora. Donc, il est important avant tout de cultiver un sens de l'appartenance et de connexion avec la diaspora qui est généralement motivée pour investir dans son pays d'origine au niveau de ses familles. Il est important de mettre en place un environnement qui pourra renforcer ce sens de l'appartenance. La diaspora, comme je disais, investit au niveau de ses familles par le biais d'un sens de loyauté, d'empathie. Et donc, nous pouvons voir aussi qu'il y a beaucoup d'échanges au niveau des compétences, des opportunités à explorer entre les entrepreneurs de la diaspora et les entrepreneurs potentiels dans les pays d'origine. Donc, il y a plusieurs manières de développer ce lien pour encourager justement le développement d'activités. Ici, vous voyez la représentation de la diaspora des îles Fidji. La majorité vivent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quelques-uns au Royaume-Uni, en France, au Canada, aux États-Unis. Mais on en retrouve quelques-uns au Japon, en Indonésie, en Chine. La diaspora des Fidji est enregistrée sous forme de différentes organisations, des groupes de confessionnels, des communautés locales, des associations, confédérances, comme une association que l'on retrouve au Royaume-Uni. Par le biais de ce diapositive, nous vous montrons comment nous sommes engagés auprès de Fidji, enfin comment la diaspora s'engage auprès des Fidji, donc au niveau de la culture, des envois de fonds, une philanthropie, un investissement, par le biais d'investissement dans les PME et les retours, donc visites, tourisme et retours permanents. L'idée ici est de soutenir les familles, de renforcer aussi les sens de la communauté, les liens amicaux. Au niveau de la philanthropie, on voit qu'il y a une levée de fonds en Australie, des dons directs au niveau des Fidji et une réponse aux catastrophes naturelles. Des investissements sont faits au niveau des PME, comme je l'ai dit, au niveau du développement du territoire. Puis, on voit que la diaspora soutient aussi l'industrie, le secteur du tourisme. Et certains reviennent définitivement. Donc, c'est que les Fidji sont très impactés par le changement climatique. On voit une augmentation du lever de la mer, des cyclones destructeurs qui ont un impact direct sur la vie des Fidjiens. Comme cela a été dit au cours de la COP23, si le monde, à moins que le monde n'agisse décisivement pour faire face aux défis présentés, on sait que le Pacifique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, sera condamné. C'est ce qu'a dit Frank Bainimarama, président de la COP23 et Premier ministre des îles Fidji. Fidji was chair of COP23,
Oui, on sait que des fonds exceptionnels sont nécessaires pour faire face aux défis climatiques présents dans la zone du Pacifique. Et donc, les Fidjiens et la diaspora du Pacifique sont motivés pour accorder leur soutien aux familles, surtout après les catastrophes naturelles, par le biais d'un sens de solidarité, loyauté, responsabilité communautaire. Il est important ici de voir que ces apports, au-delà d'être matériels, peuvent être aussi émotionnels, une aide est nécessaire, certes, au niveau de la levée de fonds, des programmes, des projets, partage d'informations, mais aussi ce soutien, comme je l'ai dit, aussi bien physique qu'émotionnel, après les catastrophes naturelles que connaissent les Fidji. Donc ici, on a différents types d'envois de fonds de la diaspora. Les virements personnels, les compensations aux employés et les virements des migrants. Donc, vous voyez la tendance qui est à la hausse au niveau des virements personnels de 2011 à 2021. Ici, on voit la tendance pour 2016, après le cyclone Winston de catégorie 5. Vous pouvez voir qu'il y a une augmentation des envois de fonds. Et les canaux monétaires ici ont été développés pour pouvoir envoyer au mois de juillet 2016, jusqu'à 44,5 millions. De février à avril 2020, après l'intensification de la pandémie de COVID-19, on voit qu'il y a aussi une augmentation. Pendant la pandémie, il y a une réduction des envois de fonds. Puis, à partir du mois de mai, on voit que la diaspora a renvoyé de l'aide pour leurs familles, jusqu'à atteindre 69 millions en octobre. Désolé, mais le son est extrêmement mauvais. Les interprètes font ce qu'ils peuvent. On voit que les États-Unis et le Royaume-Uni ont vu les envois de fonds les plus importants pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement de Fidji reconnaît le rôle important de la diaspora fidjienne, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau national, et par conséquent a développé des stratégies d'engagement de la diaspora. Et ces initiatives inclut des engagements culturels, des engagements au niveau de la communauté. Les événements culturels ont retrouvé un sacré succès certain. Ça a été organisé au niveau de la commission, la haute commission de la diaspora fidjienne au Royaume-Uni. On a engagé aussi plusieurs événements au niveau international, des engagements formels par le biais d'événements commerciaux, notamment la COP ou d'autres engagements internationaux. Puis une mission de conscientisation auprès des communautés de la diaspora, de vulgarisation. Et ici, on voit qu'il y a une reconnaissance de la contribution de la diaspora fidjienne en donnant les médailles de l'ordre du Fidji qui a été donnée donc par le président de Fidji. Ici, on voit les stratégies pour l'investissement.
Donc, on parle ici d'une citoyenneté double qui a été accordée à 3756 ressortissants. Une levée des exigences en termes d'investissement. On a aussi mis en place une plateforme en ligne, Digital Fiji, qui permet de créer en ligne des activités, une régulation de l'immigration pour permettre aux Fidjiens de revenir. Une enquête en ligne, la Despera, conduite pour les Fidjiens en Australie, a montré que 16,5% des personnes qui ont participé ont déjà investi dans les Fidji, et les secteurs clés de l'investissement sont l'immobilier, l'agriculture et le tourisme. Ici, on voit deux exemples d'actions, notamment la création d'un fonds catastrophe qui soutient les personnes impactées par les catastrophes naturelles aux Fidji, et le fonds a financé la reconstruction des installations pour des agriculteurs. Donc, comment allons-nous avancer? Eh bien, en renforçant le développement institutionnel et le leadership, le dialogue et la diplomatie auprès de la diaspora et des stratégies de communication qui permettent de renforcer le lien. En soulignant l'information clé comme le besoin de soutien ou d'assistance par le pays d'origine pour permettre de donner à la diaspora la possibilité de répondre aux besoins. Enfin, des incitants à long terme pour encourager les investissements de la diaspora, donc par le biais du tourisme, une sorte de marché de la diaspora fidjienne et un fonds de la diaspora, par exemple, le fonds de la diaspora pacifique qui a déjà été mis en place. C'est un fonds qui a permis d'investir depuis l'Australie et pour développer des petites entreprises aux Fidji. Thank you so much, Amelia. Merci beaucoup, Amelia, pour un aperçu très global de votre initiative et du rôle que joue la diaspora pour soutenir l'économie des Fidji par le biais des investissements au niveau du commerce, mais aussi le soutien accordé à la famille. Vous avez montré des diapositives qui montrent la tendance des envois de fonds, et on comprend que le rôle de la diaspora est essentiel et que le rôle des migrants, en ce sens, va au-delà aussi des envois de fonds, ce qui s'est vu notamment pendant les flux de voies de fonds après la pandémie, enfin pendant la pandémie. On voit qu'il y a eu une grosse perturbation au niveau des connexions pendant la pandémie notamment. En tout cas, c'est intéressant de voir les photos. Il est bien de voir les visages de la diaspora et on l'a dit dans la session précédente, il ne s'agit pas de parler de la diaspora, mais bien de s'adresser à la diaspora et de voir la collaboration active que vous avez déjà établie avec votre diaspora. Merci. Maintenant, j'aimerais donner la parole à notre oratrice clé, Frida, qui est avec nous avec Jean, aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre votre avis au niveau du climat, de la gouvernance sociale, etc. Merci Marina. Je pense que Marina n'avait pas dit que je ne suis pas en forme. Merci.
Voilà, je ne me sens pas très bien, mais je suis quand même contente de pouvoir être là. Je ne serai peut-être pas au top, mais je vais faire de mon mieux pour partager ma présentation pour aujourd'hui. Donc, je pense que le sujet ici est très, très intéressant. Vous savez que la diaspora est mes proches. La gouvernance sociale, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Et bien sûr, les investissements, ce sont la toile de fond de mes études. Donc, je pense que ces sujets me tiennent tous de trop à cœur et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Donc, je vais vous parler de ce que Zidi Circle fait. Donc, c'est une association, la diaspora, qui a été créée aux Pays-Bas. Et j'ai vu qu'il y avait des lacunes au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau des investissements. Et donc, nous avons pensé qu'il était important de renforcer la progression économique de nos pays d'origine, ainsi que nos pays de résidence. Et on a trouvé que c'était une manière positive de contribuer à nourrir les deux pays, le pays d'origine et le pays de résidence. Donc, aujourd'hui, je parlerai en tant que membre de la diaspora, avant toute chose, qui a mis en place plusieurs choses et qui avance dans le bon sens. Donc, on a contribué à créer des... des bootcamps pour les entrepreneurs et aider les personnes à revenir dans leur pays d'origine pour lancer leur activité. Nous l'avons fait au niveau du Ghana et l'Éthiopie. On va dire que ce sont les deux pays d'Afrique principaux où nous travaillons. Et il est important de proposer un mentorat pour ces entrepreneurs. Et donc, après les avoir formés, ils sont rentrés dans leur pays d'origine, mais il y a encore beaucoup de défis qui étaient rencontrés. C'est là que la partie d'investissement est intervenue. Et donc, ils ont essayé de lever des fonds. Mais bon, c'était assez compliqué. Donc, je dirais que la diaspora était là pour les aider. Donc, nos projets, comme je l'ai dit, se concentrent sur l'Afrique. Et ensuite, plusieurs questions sont posées. Comment est-ce qu'on pallie à la lacune entre l'absence de financement, le désir d'entrepreneuriat et le développement d'un écosystème? Eh bien, en fait, le fait d'utiliser la diaspora est venu de soi. Donc, on a développé des programmes spécifiques dans certains pays. Comme je disais, nous sommes situés dans les Pays-Bas, en Allemagne. Et là, on a développé des programmes au Ghana, en Éthiopie et également au Kenya. Et la plupart des participants... malheureusement, ma présentation n'est pas à jour, mais nous avons des entrepreneurs qui viennent de 15 pays et 4 continents. Alors, je vais me contenter aujourd'hui de parler d'un sujet qui est en particulier, important. Nous avons deux bootcamps qui ont été organisés pour les futurs entrepreneurs. Donc, c'est le premier programme qui est là, le programme DEB. Alors, ce sont des programmes qui leur permettent d'être prêts à investir. Et puis, nous avons également des programmes d'investissement qui ont été mis en place avec d'abord des investisseurs que nous ciblons en leur demandant d'investir
et de soutenir donc des projets, mais des projets qui s'intègrent dans l'économie verte. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de véhicule spécifique. Ce sont vraiment des gens qui décident d'investir directement dans des projets. Et ce programme-là donc, a été mis en place pour justement combler aussi le manque de connaissances et aider donc, les gens à être mieux informés quand ils bénéficient, par exemple, de l'aide ou d'un investissement quelconque. Il y a échange de formation aussi. Ensuite, c'est vrai que il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, notamment dans l'économie verte par rapport au plastique. Vous allez sur la plage, vous voyez évidemment beaucoup de plastique. L'industrie du plastique est une industrie très intéressante. Oui, beaucoup de choses se font en plastique, évidemment, mais le problème, évidemment, vous le savez, que ça affecte finalement l'environnement de manière très négative. Et donc, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites là pour résoudre ce problème, notamment du plastique. Et donc, il y a toute une série d'initiatives qui sont mises en place avec des investisseurs pour résoudre, entre guillemets, une partie de ce problème-là. Si vous souhaitez créer une entreprise en Afrique, si vous êtes une start-up, il n'y a pas de solution facile, immédiate, que vous puissiez mettre en place si vous n'avez pas d'investissement. Et nous pensons qu'il y a, au niveau des diasporas, et parmi les investisseurs de la diaspora, mais également ailleurs, beaucoup, beaucoup d'argent qui est disponible. C'est de cela dont ont besoin les entrepreneurs. Et cet argent est là. Il faut simplement les mettre en lien. Ensuite, nous travaillons également sur les transferts d'argent. Parce qu'évidemment, si vous regardez les chiffres, j'ai les chiffres là pour 2020 uniquement en millions de dollars. Vous voyez l'énormité des sommes qui sont renvoyées vers l'Afrique par des gens qui ont quitté le continent. Le Nigeria, par exemple, recueille chaque année plus de 17 milliards, le Ghana un peu plus de 3 milliards et demi. Donc, la question est de savoir comment utiliser cet argent pour qu'il ait un impact positif en Afrique et qu'il contribue au développement, peut-être, de l'économie. Eh bien, justement, pour ce faire, nous avons créé un programme qui est donc le programme Green Venture, soutenu d'ailleurs par l'Union européenne, soutenu par l'ambassade des Pays-Bas au Ghana, entre autres acteurs, beaucoup, beaucoup de partenaires interviennent dans ce programme. Le but étant de développer l'économie verte, de mettre en place des PME, ou de les aider, entre guillemets, ces PME, à s'intégrer dans l'économie verte et surtout, l'idée, c'est de faire ce que l'on peut pour que ces entreprises puissent exister, mais aussi évoluer vers autre chose et avoir un impact au-delà de leur propre activité. Alors, nous avons donc mis en place ce programme, notamment avec la SNV qui est là, pour vraiment impliquer les Ghanéens, notamment, qui vivent à l'étranger. Vous voyez ici les objectifs de ce projet. Donc, je crois que quand le programme a démarré en 2021, donc l'an dernier, dernier trimestre de 2021, nous pensions qu'il y aurait beaucoup d'intérêt au Ghana pour ce genre de projet. Bien, sachez que nous avons reçu des demandes de participation à ce programme, non seulement des Ghanéens au Ghana, mais aussi de toute une série d'autres personnes ailleurs. Il y a évidemment, des gens qui se sont intéressés à ce projet au niveau institutionnel, au niveau du Royaume-Uni. Et donc, nous avons donc été assez surpris
par l'intérêt que tout cela a généré, non seulement donc chez les Ghanéens eux-mêmes, mais en dehors également de la communauté ghanéenne à l'étranger. On se rend compte évidemment que le premier gros problème auquel un programme comme celui-là fait face, c'est le manque de connaissances, ou en tout cas l'insuffisance parfois des connaissances. Quand vous êtes investisseur ou quand vous êtes chef d'entreprise potentiel, il y a vraiment, vraiment un manque de connaissances. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut renforcer les capacités pour pouvoir d'abord comprendre ce qu'est l'économie verte, comment elle fonctionne, quelles sont les activités qui peuvent être envisagées dans le cadre de l'économie verte et comment aussi utiliser les fonds. Donc, ça a été le début de ce programme qui implique une formation de 8 semaines, alors virtuelle, étant donné les situations actuelles, je crois que c'était la meilleure manière d'envisager ces 8 semaines de formation. Ils utilisent dans cette formation des exemples réels d'entreprises qui se sont mises en place au Ghana et ailleurs. Nous avons au Ghana des pépinières d'entreprises dans le secteur vert et donc sont actives dans l'agriculture, dans la production alimentaire. Donc, ce sont des entreprises qui existent déjà. D'accord? Elles sont là et elles servent d'études de cas pratiques, réelles et concrètes et d'exemples parfois à suivre. Plutôt que de faire une formation théorique, nous avons une formation qui est ancrée dans la réalité. Nous avons aussi, donc en plus de cette formation virtuelle, des exercices pratiques avec ces entreprises déjà existantes. Nous avons également, après la formation, un appui en matière d'investissement, avec par exemple tout ce qui doit être fait pour assurer les responsabilités en matière de diligence raisonnable. Et puis, voici les différents modules de cette formation. Donc, vous voyez que on commence par le module 1, qui est la base, module 2, alternative, module 3, comment faire un deal, modèle 4, l'investissement avec l'aide d'ange gardien, entre guillemets. Et voilà l'écosystème maintenant dans lequel nous nous envisageons. Donc, nous avons d'une part l'économie verte, c'est-à-dire toute une série d'entreprises. J'insiste sur l'économie verte parce que c'est là qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de nouvelles entreprises qui naissent de zéro. D'accord? Ensuite, il y a la diaspora qui est là, qui est source de ressources, d'argent, mais aussi source de compétences, donc qui s'investit. Comprenez l'investissement comme un investissement à la fois physique, mais aussi en termes de participation. Et puis, il y a les PME. On s'intéresse aux Ashanti du Ghana, à l'ouest du pays. Et puis, il y a toute une série d'investisseurs en capital qui deviennent membres de la coopérative et qui peuvent donc intervenir. Alors, l'avantage de ce genre de formation, c'est que il a fallu du temps peut-être, mais nous sommes finalement aujourd'hui dans une situation où nous avons pu mettre après toutes ces formations, mettre en place une coopérative. C'est une coopérative d'investissement, c'est-à-dire un véhicule d'investissement basé sur des coopérateurs qui sont membres de la coopérative d'investissement. Nous pensons que ce genre de structure coopérative a un avantage, plusieurs avantages même. Elle permet de créer une seule entité juridique. Elle permet aussi facilement d'accueillir des membres de partout dans le monde. Il suffit d'être coopérateur, donc membre de la coopérative, pour pouvoir investir. Et lorsque vous êtes coopérateur d'une coopérative, membre d'une coopérative, vous êtes immédiatement investisseur et vous avez une part de la coopérative ou des parts. Donc, l'argent est mis en place et à disposition assez directement par les différents coopérateurs. Vous avez donc, vous achetez des parts dans la coopérative. C'est
immédiat. Il n'y a pas du tout de coût de notaire, par exemple. Et la structure est telle que les parts de coopérateurs sont facilement transférables et sont donc très liquides, donc pas de problème d'illiquidité. Voici la structure qui a donc été mise en place maintenant, légalement parlant. Nous avons donc un conseil d'administration qui est là pour gérer, entre guillemets, l'ensemble de la structure. Nous avons donc les investisseurs à gauche. Nous avons Zidi SA, qui est donc chargé de la formation. C'est une sous-structure. Et puis, nous avons le comité d'investissement qui est là au milieu. Nous avons également la coopérative Zidi Circle. C'est par là que les coopérateurs donc, peuvent intervenir. Et puis, cet argent qui est là, on l'utilise pour financer donc, différentes startups. Voici donc, les membres du conseil d'administration. Didrik, qui est néerlandais. Katharine Adil, qui est allemande. Nous avons David Boitin, qui est notre trésorier, qui est ghanéen né aux Pays-Bas, moi-même également. Et donc, voilà comment nous fonctionnons avec cette coopérative. Qui peut en faire partie? Des individus, des groupes, des entreprises, partout dans le monde, d'où que vous soyez, vous pouvez participer donc à cette grande aventure. Et dès qu'une société ou dès qu'un individu investit ou veut investir, voilà, l'impact est direct parce que l'argent est là, l'argent est mis à disposition des différentes entreprises et ce sont toujours, entre guillemets, des situations qui sont créées sur la base d'une relation directe, entre guillemets. Vous êtes membre de la coopérative, mais vous pouvez soutenir une entreprise plutôt qu'une autre. Vous intéressez à la question du plastique, vous dites, voilà, moi, je suis coopérateur, je veux investir et cet argent, je préférais qu'il aille vers telle ou telle entreprise dans telle ou telle région. Il y a des entreprises maintenant qui sont financées, qui récupèrent du plastique, le recyclent, le retransforment en tant que matière première, etc. Par exemple. Autre exemple, nous avons une entreprise qui a été fondée par des femmes uniquement, qui fait de la production de produits alimentaires, de la transformation de produits alimentaires de base. Elles font du concentré de tomates, des jus de tomates, des tomates concentrées, etc. Passata et compagnie. Et donc, voilà. Alors, désolé, plusieurs personnes sur la ligne. Apparemment, certains ont allumé leur micro. Je vais conclure. Cet écosystème, nous estimons donc qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il a un impact, parce que nous avons donc ce volet éducation, formation, ce volet également investissement. Donc, c'est bon pour la diaspora qui investit, qui s'implique. C'est bon également pour les entreprises elles-mêmes au Ghana, évidemment. Et c'est un système donc, qui est bénéfique pour toutes les parties prenantes. Alors, il y a d'autres régions également. Si vous voulez, par exemple, investir au Kenya, c'est possible. Et voici les dates pour les prochains programmes qui commencent donc pour le prochain, le 6 avril. Voilà la fin de ma présentation. Et je suis à votre disposition, donc si vous avez des questions ou un intérêt. Voilà l'étude de cas que je voulais vous présenter. Je crois que c'est un moyen très pratique, par exemple, dans notre cas, d'aider l'économie verte dans nos pays d'origine, mais aussi dans d'autres pays du monde. Merci, Frida. Pour
ce que j'appellerais une masterclass. Et un travail intéressant sur aussi, on a parlé des réseaux déjà avec le collègue irlandais tout à l'heure. Ce que vous nous montrez là, c'est quelque chose de très concret, avec beaucoup de suggestions, très concret. La structure que vous avez choisie est très intéressante. Et puis, j'aime la manière dont vous avez non seulement créé, entre guillemets, un projet concret, mais également identifié toute une série de problématiques et essayé ensuite de les combler, comme le problème de connaissance dont vous parliez. Merci beaucoup, donc, d'avoir été avec nous. Nous pensions que, effectivement, vous n'alliez pas être là. Nous étions très déçus. Donc, nous sommes très satisfaits que vous soyez là. Alors, je voudrais revenir sur une question. Je crois que ce sommet est un sommet qui nous permet de parler avec des gouvernements. On a entendu Fidji. La question que je vous poserai, c'est que peuvent faire les gouvernements, à votre avis? Y a-t-il des choses concrètes, selon vous, que le gouvernement pourrait faire pour améliorer l'impact de ce que vous faites ou pour faciliter votre travail? Donc, imaginons que tout soit possible. Que devraient faire les gouvernements, à votre avis? Merci beaucoup. Bon, j'ai eu déjà l'occasion de parler avec des autorités de certains gouvernements. Effectivement, elles ont un rôle potentiellement énorme. Je crois qu'elles doivent surtout travailler sur l'infrastructure, si c'est possible. Je crois que quand on voit les problématiques auxquelles sont confrontés les investisseurs ou les entreprises, elle se situe justement au niveau de l'infrastructure. Quand je dis infrastructure, quand vous prenez qu'il y a beaucoup de choses compliquées à faire quand on veut se lancer. Souvent, on parle de gouvernement ou on parle de diaspora. Je crois que ce qu'il faut plutôt dire, maintenant j'ai 10 ans d'expérience, c'est qu'il y a une diaspora dans tous les pays du monde et de tous les pays du monde. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est faciliter la manière dont toutes ces diasporas peuvent plus facilement exister, agir. Je sais que les choses sont en train d'évoluer, par exemple, au Ghana. Il y a des organes spécifiques qui ont été créés, une commission spécifique qui a été créée, d'ailleurs, qui est très utile. Il y a aussi un problème d'opportunité. Les gens, parfois, veulent faire quelque chose, sont membres de la diaspora de leur pays, ailleurs, veulent faire quelque chose, mais ne savent pas comment faire. Donc, si l'on pouvait imaginer que des opportunités nouvelles soient créées, cela permettrait de répondre à ces attentes-là. Et je pense que nous, bon, nous avons mis en place notre propre programme, mais je crois que les gouvernements pourraient mettre en place certains programmes de leur côté. Oui, les politiques sont importantes, la législation aussi, évidemment, cruciale. C'est un peu notre expérience quand on parle à toute une série de parties prenantes. On se rend compte que même il y a des situations où votre citoyenneté, votre nationalité vous oblige à faire certains choix ou vous ouvre certaines portes, mais pas d'autres. Vous enferme beaucoup. Donc, je crois que oui, il faut réfléchir à cela. Alors, vous parliez de l'infrastructure. Je pense qu'il y a, c'est vrai, des choses qui peuvent être faites. Il y a certains projets pilotes qui sont déjà en place en la matière. Merci beaucoup. Je crois que vous allez donc nous quitter et nous le comprenons, même si cela va décevoir beaucoup de collègues. Chers collègues, d'ailleurs, si vous avez des questions pour Frida, n'hésitez pas à le faire, mais faites-le tout de suite parce qu'elle va nous quitter dans quelques minutes. Nous allons maintenant vous faire visionner un clip vidéo qui a été préparé et qui est important, je crois, parce qu'il va vous permettre
de mieux comprendre la situation donc, à laquelle nous avons déjà fait référence tout à l'heure quand nous parlions avec les collègues de Fiji. Donc, je vous propose voilà, de visionner ce clip vidéo et je vous invite aussi à laisser vos commentaires dans le chat. Chers orateurs, cher Monsieur Thomas Nives, Madame la modératrice, Madame Frida Natarenghi, Excellence, Mesdames et Messieurs, bonjour de la part ou depuis Fiji. Je vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer ici sur des questions aussi importantes que les questions climatiques, investissement, le social. Et je pense qu'il est essentiel pour nous à Fiji, mais également pour toute une série d'autres États de petite taille, il est évidemment essentiel d'avoir accès à des investissements. Nous avons, nous, contribué, diaspora en tout cas, ont contribué à la mise en place ici de toute une série d'initiatives intéressantes financées par leur transfert d'argent. Et nous avons, en plus de ce que fait l'État, toute une série d'autres associations qui contribuent à ces efforts. Je voudrais me référer à une étude qui a été faite en 2017 et qui portait sur les transferts d'argent depuis le Royaume-Uni jusqu'à Fidji. Cette étude a été un moyen pour nous de comprendre, mais aussi de maximiser les stratégies qui sont mises en place par les Fidjiens de l'étranger, mais aussi nous voulions comprendre quels étaient les obstacles auxquels ces Fidjiens étaient confrontés lorsqu'ils souhaitaient envoyer de l'argent ou investir à Fidji. Et cette étude nous a donné pas mal de résultats extrêmement intéressants, mais aussi quelques, entre guillemets, faits intéressants sont apparus. 94% des Fidjiens à l'étranger renvoient de l'argent vers Fidji et quasiment 100% d'entre eux voudraient en faire davantage et voudraient non seulement aider leurs proches, mais aussi aider les communautés. Trop souvent, l'envoi d'argent est totalement informel. On envoie des fonds à ses proches, à des amis, mais il y a une demande, peut-être pour autre chose. Nous pensons que, comme l'ont dit la plupart de ces gens, il y a une volonté d'investir également. Non seulement donc d'envoyer de l'argent, mais d'investir ou de mettre en place des fonds spécifiques d'épargne, par exemple, de manière à pouvoir, et c'est ce que nous disent les gens, soutenir les activités, notamment agricoles et autres, de l'île. Nous ne savons pas, malheureusement, quelles sont ou quelle est la méthode parfaite pour ce faire. Nous savons qu'il y a évidemment au niveau du gouvernement une priorité qui consiste à faciliter ces investissements lorsqu'ils sont possibles. Nous pensons qu'il faut aussi mettre en œuvre des mécanismes d'investissement à long terme plutôt qu'uniquement à très court terme. Et nous pensons qu'il y a aussi un intérêt énorme pour la création d'entreprises chez les Fidjiens. Beaucoup voudraient non seulement investir de l'argent, mais aussi investir leurs connaissances en créant des entreprises. En conclusion, cette étude montre qu'il y a des opportunités et que nous pouvons, en collaboration avec notamment l'OIM et avec d'autres acteurs internationaux, développer, tester et mettre en œuvre de nouvelles solutions pour pouvoir contribuer donc à l'évolution donc de nos économies, et ce, dans un environnement marqué par la COVID-19. Nous travaillons déjà au niveau du gouvernement avec l'OIM pour essayer de développer des documents qui reflètent à la fois les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais aussi les opportunités qui existent. Et nous espérons pouvoir donc, j'espère avoir contribué, entre guillemets, à votre réflexion aujourd'hui par le biais de ces quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, ça me sidère tout le temps hein, quand on est dans cette situation virtuelle. J'allais quasiment m'adresser à son Excellence alors que voilà, il s'agit d'un enregistrement vidéo évidemment. Donc
Mais bon, j'espère en tout cas que nos remerciements lui parviendront. Le sujet est extrêmement intéressant, mérite bien plus, je dirais, que l'heure et demie que nous lui consacrons. Mais je vous propose donc maintenant de passer justement aux participants. Nous sommes à environ 72 participants. Je suppose que certains d'entre vous ont une expérience de ce sujet. Nous savons que, par exemple, les collègues de la FAO souhaitaient prendre la parole. Et donc, Dominique, justement, Bourgeon est là. Donc, je lui propose de prendre la parole tout de suite. J'espère que vous m'entendez difficilement, mais alors je voudrais vous remercier, Marina, en remerciant tout d'abord les différents orateurs qui ont pris la parole. Je partage votre enthousiasme. Je crois que cette session est effectivement très intéressante. Depuis la présentation de Fiji jusqu'à Zidi Circle, tout cela était très informatif. Je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire pour soutenir la survie et le développement des structures qui existent dans les régions agricoles de nos pays. Et je crois que par le transfert de connaissances, mais également de compétences, beaucoup peut se faire pour soutenir tous ceux qui produisent de l'alimentation un peu partout dans les zones rurales. Nous jouons un rôle à la FAO. J'aimerais mentionner quelques initiatives. Nous sommes au Tadjikistan, par exemple. La FAO soutient le ministère de l'Emploi, des Migrants et du Travail pour mettre en place des systèmes qui permettent mettre en place des investissements à montant égal quand de l'argent est investi par des membres des diasporas. Nous soutenons également la création de toute une série d'outils qui soutiennent le développement du secteur alimentaire. Nous sommes également présents dans 6 autres pays, El Salvador, Honduras, Guatemala, l'Arménie, le Kyrgyzstan et le Ghana, par exemple, en Ouganda également, où nous travaillons les contributions financières et non financières de la diaspora à l'agriculture, en soutenant un dialogue inclusif et en travaillant sur toute une série d'orientations, notamment les réseaux de dialogue dans l'agriculture ou le renforcement des compétences dans le secteur. Je suis d'ailleurs heureux de ce qui va suivre. Il y a une autre session qui sera très intéressante sur ce sujet. Nous mettons également en œuvre des projets au Zimbabwe pour utiliser au mieux le potentiel de la migration, mais également pour développer l'implication de la diaspora dans les processus politiques et les procédures qui sont mises en place. Just to say that in order to untap the potential of diaspora to contribute afin de contribuer au système d'adaptation climat, nous pensons qu'il est clé de renforcer l'engagement de la diaspora dans l'agribusiness et le développement durable et réveiller la diaspora quant aux opportunités d'investissement au niveau des secteurs verts et encourager l'échange de compétences. Donc, merci de la possibilité que vous m'avez donnée de participer à cette session très intéressante. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on a déjà des merci. Il me semble qu'on a encore une demi-heure devant nous. En tout cas, merci Dominique. Effectivement, ce que vous dites est intéressant et est important de voir que dans une organisation comme la nôtre, nous travaillons pour l'engagement de la diaspora depuis plusieurs décennies. Nous avons des programmes de retour des personnes hautement qualifiées pour qu'elles reviennent dans leur pays d'origine. Mais ce qui est intéressant, j'ai remarqué, c'est qu'au cours des dernières années, on a vu qu'on se concentre sur des secteurs très concrets, très spécifiques. Et
Ces programmes sont des exemples tangibles où les choses deviennent concrètes et voir comment la chose se traduit dans la communauté. Et donc, vu que ça devient tangible, eh bien, ça devient plus intéressant d'en parler dans la mesure où c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, merci Dominique. Concernant d'autres orateurs qui voulaient prendre leur parole, eh bien, Peter Walk de l'Association mondiale, de la Confédération mondiale de la diaspora, souhaitait prendre la parole. Donc, vous avez la parole, Peter, afin que vous partagiez avec nous votre expérience. Merci. Merci, Marina. J'espère que avant tout, je veux dire que c'est un privilège de pouvoir participer à cette réunion dans la mesure où il y a une histoire personnelle ici derrière. Quand j'étais très jeune, je me suis rendue en Écosse pour mes études. Et comme je n'avais pas 18 ans, j'avais un tuteur. Et mon tuteur était un professeur des Fidji. Et donc, j'ai vécu avec lui, avec sa famille pendant plusieurs années. Et j'ai appris notamment des choses au sujet de leur culture. Je suis grand fan de rugby. Tout ça pour vous dire que c'était un temps intéressant pour moi et c'est un plaisir de rencontrer Emilie et son équipe. Donc, une chose sur laquelle je vais rebondir en prenant mon exemple, je me suis toujours demandé si les organisations de diaspora ne pouvaient pas être des sortes d'ambassadeurs pour avoir plus d'investisseurs et ramener du monde pour développer des opportunités. Et donc, moi, personnellement, j'adorerais aller aux Fidji et retrouver mon tuteur. La question est de voir s'il y a des opportunités pour la génération à venir pour qu'elle puisse participer dans les organisations de la diaspora pour pouvoir réaliser des projets plus grands. Donc, quelques informations au sujet de ma confédération. Donc, nous aidons les organisations de la diaspora dans le monde entier et notre rôle est de renforcer les liens entre les organisations de la diaspora et les parties prenantes, notamment les gouvernements locaux, les autorités locales. Et donc, c'est une opportunité pour nous de pouvoir prendre la parole. Donc, je suis sûre qu'ici, notre voix est entendue. Nous pensons qu'au niveau de l'investissement, il y a beaucoup d'exemples d'opportunités, pas seulement dans les Fidji, aussi ailleurs. Selon nous, nous voulons promouvoir autant que possible les meilleures pratiques de tous les pays et de toutes les diasporas, organisations de diaspora qui existent dans les différents pays. Il est important aussi de partager les défis, car si nous ne sommes pas tout seuls, faire face à des défis, et ensemble, on peut trouver des solutions. Donc, j'aimerais faire des suggestions, si j'ai la possibilité à l'avenir. Et nous pourrons réunir d'autres organisations de la diaspora, pas seulement celles des Fidji, mais d'autres organisations qui pourraient voir aussi ce qu'a fait l'exemple fidjien. En tout cas, merci de m'avoir permis de participer à la réunion d'aujourd'hui et de prendre la parole. Merci. Merci, Peter, pour votre intervention ainsi que pour votre leadership dans le fait de réunir les organisations de la diaspora au sein d'une même confédération. Pour nous, c'était un jalon important parce que nous sommes conscients qu'il existe plusieurs organisations de la diaspora dans plusieurs parties du monde. Et des exemples comme ceux qu'a montré Frida sont captivants, motivants et nous poussent à avancer. Mais malheureusement, tous les pays n'ont pas ce privilège et n'ont pas le privilège de voir
que les organisations de la diaspora peuvent parfois devenir des acteurs très puissants. En tout cas, le potentiel est là et c'est souvent l'absence de compréhension et de connaissances qui freine. Donc, il est important de réunir ces expériences et de continuer à apprendre les uns des autres et de cette manière renforcer les connexions. Il ne s'agit pas de dire qu'aucun travail n'a été fait, mais voir comment nous pouvons avoir un impact plus fort. En tout cas, c'est ce qui est important. La session que nous avons préparée pour lundi, donc un peu de promotion hein, pour ce qui va se faire, une fois que la partie ministérielle commence lundi, donc nous allons avoir une session après l'ouverture qui vise notamment à en savoir plus de la part des organisations de la diaspora, de vous, Peter, de savoir ce que ça veut dire pour vous être plus organisé, ce que ça veut dire de pouvoir bénéficier de l'expérience que vous avez ou de connaître quelqu'un d'un pays comme les Fidji. Malheureusement, je n'ai pas eu le privilège d'y aller. Quoi qu'il en soit, ça permet d'en savoir plus. Et comme vous le dites, Laura bien, devient ambassadrice de sa culture d'origine et de son expérience ensuite quand elle revient chez elle. Donc, le 4 avril, nous aurons une session sur le sujet. Maintenant, j'aimerais donner à Amélia la possibilité de réagir, enfin, quelqu'un des Fidji, si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un de votre côté voudrait reprendre ou rebondir? Et sinon, bien, je donnerai la parole à l'audience, à l'auditoire. Non, on ne vous entend pas. Yes, now you can talk. But the sound is not yet coming. No sound. Non, il n'y a pas de son parce que elle est sur. Il n'y a pas de son. Maybe because who was playing the video, maybe that was the connection. Maybe if you can try to look into that and let me, in the meantime, look into the chat and the questions, if we have any from the audience. Voyons si nous avons des questions dans le chat avant que vous ne preniez la parole. Ou est-ce que quelqu'un souhaite faire une intervention? Something maybe, Tanya, you would like to... In terms of how... Tania, peut-être souhaitez-vous commentaire sur les échanges qui ont eu lieu au niveau du chat. Ben, il n'y a pas de commentaire ni de contribution dans le chat. Bon. Ok, bien, merci. Eh bien, je vous propose de reprendre. J'encourage les collègues qui sont là à saisir l'opportunité à répondre aux questions. Nous avons d'autres organisations qui sont là, comme Peter, Dominique. N'hésitez pas à leur poser des questions. Permettez-moi maintenant de passer à la question suivante. Et demander à l'audience de nous donner des réponses, peut-être. Est-ce qu'on peut peut-être laisser de côté la vision de la diaspora comme un investisseur qui a de l'impact? C'est un sujet, en tout cas, qui était débattu. Maintenant, y a-t-il un secteur qui émerge? Ici en Suisse, par exemple, je vois beaucoup d'organisations qui promeuvent, qui se présentent comme des investisseurs qui ont de l'impact. Et ici, ben, plusieurs organisations se concentrent sur le sujet du climat, de la gouvernance sociale, bien sûr les objectifs de développement durable. L'agenda 2030 représente une opportunité d'inspiration qui donne une feuille de route. Néanmoins, en attendant, il faut des choses plus tangibles. Donc moi, je voulais savoir si quelqu'un de l'audience, n'importe qui, hein, pourrait commenter justement la déclaration suivante.
Les investisseurs de la diaspora sont la personnification, la meilleure personnification d'un, ce qu'on entend, un investisseur qui a de l'impact. C'est l'impression que j'en ai, mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord ou non avec cette déclaration. Is this a question that is resonating with anybody? Est-ce que c'est une question qui résonne avec quelqu'un? Kingsley, est-ce que je peux vous mettre sur la sellette si personne d'autre ne souhaite prendre la parole? Oui, j'allais faire un commentaire au sujet de Sir Ronnie Cohn, qui était un Égyptien qui a déménagé en Angleterre, donc qui était membre de la diaspora égyptienne, qui travaillait dans l'université. Il a écrit un livre sur l'impact social, et ce qu'il a dit, c'est qu'il y a une révolution, tsunami même, qui arrive vers nous au niveau de, d'investissement, d'impact, il a étudié différentes entreprises, puis on a repris quand même son concept, réétudié les entreprises à la lumière de cet impact social et cet investissement social. Donc, les fonds de retraite, par exemple, représentent des milliards de dollars, d'argent hein, investi, et il allait étudier les entreprises et leur investissement sur base de leur impact sur la société, les employés, le climat. Et donc, je pense que nous devons nous préparer à cela, puisque cela nous tombe dessus. Hier soir, nous parlions avec l'agence d'investissement ici du gouvernement de cette tendance. Donc, effectivement, vous avez raison d'évoquer ce sujet puisqu'il va prendre de l'ampleur. Il va devenir un élément déterminant au terme d'investissement, à savoir, est-ce que vous allez être un investisseur d'impact? Oui, effectivement, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ma déclaration, à savoir que les investisseurs de la diaspora disposent des caractéristiques nécessaires pour être appelés investisseur d'impact? J'aimerais dire oui, mais vous avez donc expliqué ce matin que vous avez mis les preuves. Moi, je n'ai pas de preuves pour étayer ce que vous dites. Néanmoins, je pense qu'ils ont un intérêt qui va au-delà du retour sur investissement financier. Il y a un lien avec le pays d'origine, bien sûr. Néanmoins, je n'ai pas les statistiques qui confirme cela. Il va falloir voir quel est le retour au niveau de la société. Néanmoins, avant de répondre, j'ai besoin de preuves. Quoi qu'il en soit, on espère que le retour ne sera pas que financier, mais aussi au niveau culturel et de la société. Moi, je pense qu'on peut considérer un investisseur de la diaspora comme un investisseur d'impact. Mais avant cela, il me semble que Paola a pris la parole ou a fait une demande de prise de parole. Vous avez levé la main, puis abaissé la main. Oui, j'ai levé la main brièvement parce que votre question m'a pris de court et j'ai essayé d'élaborer ma réponse. Moi, je pense que l'on peut mettre la diaspora en relation avec l'investisseur d'impact. Impact investments that we were mentioning is the fact that dans la mesure où les diasporas sont les communautés qui parfois sont les plus affectées et qui représentent un type de matérialité pour les entreprises qui
travailler à l'international. Donc, un exemple, d'entreprises qui gèrent les envois de fonds, qui choisissent un projet où il y a un impact local, mais qui ne considèrent pas forcément les diasporas, alors que ce sont leurs clients. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une façon de l'aborder, donc j'aimerais voir si vous voyez ce que je veux dire et avoir un retour. Oui, merci. Oui, tout à fait. Je ne crois pas que nous disposons de ces preuves, comme le disait Kingsley. Et moi aussi, j'aimerais remercier Kingsley pour son engagement. Est un partenaire à long terme, un ami même à force, qui nous a aidés à structurer notre collaboration avec les diasporas. Il a travaillé beaucoup au niveau de l'investissement philanthrope. Il sera là lundi aussi. Donc, n'oubliez pas que nous avons une deuxième session. Et Paolo Henrique, désolé de vous avoir mis sous les feux de la rampe, mais c'est une question qui m'occupe. Moi, il me semble que lorsqu'on parle d'investisseurs, donc l'investisseur traditionnel, il met de l'argent pour avoir un retour financier, il calcule, il réajuste, et tout le système a été évalué au niveau des actionnaires et de leurs bénéfices financiers. Ici, tout se joue en fonction du PIB. Même si on parle de développement durable, il y a quand même une attention qui est placée sur le secteur, le retour financier économique. Là où la diaspora, elle, quand elle lance dans des activités d'investissement, on considère qu'ils calculent leur investissement et leur stratégie d'investissement en prenant en compte un risque élevé. Donc, ils sont préparés aussi à éventuellement perdre parce qu'ils pensent que même s'il y a plus de risques, eh bien, c'est quelque chose qui se fait dans leur communauté et donc le jeu en vaut la chandelle. Donc, je dirais que l'intention ici n'est pas si financière que pour d'autres investisseurs. Voilà ce qui me passait par l'esprit. Néanmoins, il va falloir voir comment on va pouvoir impliquer la diaspora et ses investissements pour des secteurs comme changement climatique, etc. Merci beaucoup. Je pense que j'aimerais savoir s'il y a bien un lever. Une intervention en français. Amelia, est-ce que vous avez une observation, un commentaire du son déjà? Si vous voulez, je peux traduire la contribution en français. Enfin, oui, après que nous ayons eu la réponse d'Amelia, je voudrais savoir si leur micro fonctionne ou non. Puis ensuite, nous repasserons au chat. We have the audio, yes. I'm going to thank the diaspora organization who had commented on this experience on Fiji. So merci à la Confédération et son représentant d'avoir partagé son expérience avec les Fidji. On ne peut être que d'accord avec ce qu'il a dit en termes de renforcer les connexions entre les organisations de la diaspora. En tout cas, c'est ce qui été fait à Sydney, à Londres, au niveau de nos organisations de la diaspora, pour formaliser notamment l'investissement de la diaspora, pour un engagement plus structuré et institutionnalisé. Donc, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit et que le gouvernement doit agir pour justement formaliser, institutionnaliser.
concernant la génération à venir, effectivement, il y a du travail à faire pour pouvoir l'inclure et l'impliquer. C'est un travail que l'on réalise aussi bien à Sydney qu'à Londres. Merci. Oui, effectivement, je pense que chaque pays aura sa liste de pays cibles. Donc, pour vous, c'est le Royaume-Uni et l'Australie, dans la mesure où la diaspora là-bas est celle avec laquelle vous êtes le plus impliqué, engagé. Nous disposons aussi d'une vidéo des Fidji, un message à votre diaspora. Mais avant, j'aimerais demander à Tania de... commenter ce qui a été dit dans le chat. Tania, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été dit? Non, c'est plus une contribution qu'une question de M. Ouman Ada, qui nous dit que l'engagement, l'implication de la diaspora dans le processus de développement est encore un stade embryonnaire. Toutefois, d'une manière indirecte et surtout individuelle, la diaspora tchadienne contribue de manière significative dans ses familles respectives. Most of all, significant for their respective families. So we can take from that. Donc, nous pouvons partir du principe que l'engagement de la diaspora est vraiment visible au niveau local, au niveau familial, au niveau de la communauté, et ça se reflète aussi au Tchad. Même si l'engagement de la diaspora n'en est que ses prémices. En tout cas, la diaspora s'occupe de sa famille qui est restée au pays. Merci, Tania. Je ne savais pas qu'autant de mots pouvaient être écrits dans le chat. En tout cas, c'était une bonne présentation d'une expérience dans un pays qui, effectivement, n'a pas encore pu mobiliser autant sa diaspora. Néanmoins, on sait qu'il y a des individus et potentiellement des organisations de la diaspora qui pourraient bien soutenir les initiatives dans les pays d'origine. Voilà. Nous sommes là justement pour partager ces expériences au sein de ce sommet, pour identifier des défis, mais aussi des solutions. Et avant de conclure, eh bien, c'était un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. J'aimerais demander à nos collègues de Fidji de mettre leur vidéo, s'il vous plaît, puisque c'est ce qu'ils nous ont demandé pour conclure cette session qui a été organisée par le gouvernement. Et nous serons en contact avec tout le monde et nous continuerons au cours de la session suivante et de manière bilatérale à échanger. Merci. Une chose qui me manque, c'est ma famille et que l'on ne peut plus passer du temps de qualité ensemble. Ma famille en Australie me manque. Mon fils et ma fille me manquent. Mon oncle William me manque, ainsi que ses blagues. Ma fille me manque. Une fille est toujours précieuse pour son père. Moi, c'est ma tante Lotu qui me manque. Elle est maintenant aux États-Unis. Nous avions l'habitude de pêcher ensemble. Moi, ce qui me manque de la part de ma nana et de mon père, c'est de faire des câlins, mais ils habitent en Australie. Moi, ce qui me manque, c'est que ma mère vient en Australie et qu'elle n'est plus à la maison. Donc, la première chose que je vais faire quand je vais voir mes cousins, c'est leur faire un gros, gros câlin. Et moi, je vais prendre dans mes bras et lui demander qu'il me raconte d'autres blagues. Et moi, quand ils viendront, je vais leur préparer un bon gros apéro. Et moi, je vais donner un gros câlin, enfin un gros câlin à ma cousine. Et je vais retourner
pêchais avec ma tante. Et moi, je pense que ce serait le jackpot, puisque ça fait plusieurs années qu'on ne se voit pas, que nous sommes séparés. Papy et mamie, je vous aime, vous me manquez, j'espère vous voir très bientôt. Coucou maman, si tu vois ça, sache que tu me manques, je t'aime et j'espère te voir bientôt. Pour toutes nos familles qui vivent à l'étranger, c'est un message de votre terre maternelle. On est peut-être séparés, mais nous sommes ensemble au niveau du cœur des Fidji. Prenez soin de vous. Le Lama depuis Fidji. Thank you everyone. Merci, merci à tous. Un plaisir d'avoir partagé avec vous. On se retrouve dans les sessions précédentes. Merci à nos panélistes. Merci à vous, Amélia, au gouvernement de Fidji. Prenez soin de vous et restons en contact. Bye. Au revoir. Bye. Bye.